Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt bien les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale qui va un peu changer de ce que je fais habituellement. Donc tout simplement je vais vous parler du streaming, du stream, du live, ou encore bien du streaming live comme l'appelleront certains. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le stream tout simplement? Donc pour expliquer avec des mots simples, stream est une source vidéo diffusée en direct sur une plateforme quelconque. Donc cette plateforme elle peut varier, ça peut être la télévision, internet, le web ou encore bien la radio. Donc voilà les trois sources principales où on peut se produire en streaming, les trois sources principales que tout le monde connaît. Donc après la télévision, une diffusion en direct, on va pas appeler ça un stream. Dans le domaine de la télévision, on va plutôt appeler ça un direct. Donc quand on parle de direct à la télé, je peux vous donner quelques exemples comme un match de foot sur Canal+, hein, le Classico PSGOM le dimanche, le match de foot sur Canal+, ou encore bien un match de basket de NBA, ou encore bien le journal de 20h ou de 13h. Mais contrairement aux rencontres sportives, le JT peut avoir quelques secondes de latence d'après ce que disent certaines personnes. Donc quand il y a quelques secondes de latence ou quelques minutes, on pourrait donc appeler ça du différé. Donc quant à la radio, on va plutôt couramment parler du terme live pour déterminer un streaming, pour désigner un streaming, on va plutôt dire live dans le domaine de la radio. Donc encore une fois, pour vous donner des exemples à titre indicatif, je peux vous citer Koé sur Énergie le soir à partir de 20h, il me semble à peu près, qui se produit, ou encore bien l'émission qui suit généralement Koé après 20h, l'émission Koé, Guillaume Play sur Énergie encore une fois. Donc voilà des émissions live à la radio que je peux vous montrer. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet de la télévision et de la radio. Je vais plutôt me centrer sur le principe et le stream internet. Donc maintenant, je pense vous avoir mis un peu dans le bain. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas ce que c'était le streaming, je pense vous avoir mis dans le bain. Et que grâce à cette petite explication, vous aurez compris ce qu'est un stream, qu'il soit en télé ou un stream radio. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé et que maintenant vous allez comprendre la partie stream internet. Donc maintenant on va passer, comme je vous le disais, à la partie stream internet. Donc c'est très certainement la partie où il y aura le plus de choses à dire, désolé. Une vidéo ne suffirait pas pour tout vous dire en détail, de la présentation des plateformes de streaming où on peut se diffuser, en passant par les détails qu'il faut, la configuration qu'il faut à votre PC, la connexion qu'il vous faut. Franchement j'en finirai plus. Donc on va commencer par l'essentiel du stream internet en présentant les multiples plateformes de streaming qui existent sur internet. Donc je vais commencer par vous parler de celui que vous connaissez peut-être le plus dans le domaine du stream gaming. Bien évidemment c'est Twitch. Donc c'est celui qui va certainement vous parler le plus. Comme je vous le disais, vous avez certainement entendu parler de lui, que ce soit à la TV ou sur les réseaux sociaux, ou des amis qui vous partagent des lives. Ah, il y a WarTech en live, il y a Diablo X9. Donc je pense que c'est certainement celui que vous connaissez le plus dans le domaine du streaming gaming. Donc le but de Twitch, c'est tout simplement diffuser ses parties de jeux vidéo, que ce soit avec un boîtier d'acquisition ou depuis son PC, à son public ou à un public qui ne nous connaît pas encore, qui est plus ou moins élargi. Donc avec une possibilité également pour ce public de communiquer via un chat qui est instauré sur le site, via toutes les chaînes Twitch que l'on crée. Ce même chat va bien même souvent servir à faire des FAQ auxquels la personne qui diffuse le stream pourra répondre. Donc c'est une façon plutôt sympa. Donc comme je voulais dire, c'est encore une preuve que le stream est aussi une façon d'être proche des youtubeurs ou vidéastes que l'on aime et que l'on apprécie à travers YouTube également. Donc la deuxième plateforme que je vais vous présenter, vous la connaissez obligatoirement, c'est YouTube. Bah oui, évidemment que vous la connaissez cette plateforme. C'est même la plateforme sur laquelle vous êtes en train de me regarder, de regarder la vidéo où je suis en train de vous parler. Donc depuis quelques temps, YouTube permet aux youtubeurs partenaires, je tiens bien à préciser, les youtubeurs partenaires via un social network, de diffuser du contenu en direct. Donc contrairement à Twitch, YouTube n'oblige pas à diffuser du contenu sur les jeux vidéo. Vous pouvez donc tout simplement vous montrer face à la caméra et parler avec vos viewers. Donc tout comme Twitch, hein, ce qui paraît un peu logique, un chat est mis à disposition pour permettre aux téléspectateurs, aux spectateurs désolé, et aux diffuseurs de communiquer entre eux via un chat écrit. Donc voilà, je veux dire, c'est YouTube, c'est bien fait, c'est efficace. Après c'est pas celle que je préfère, loin de là, pour du streaming en direct, je précise. Donc je vais vous présenter une troisième plateforme que vous connaissez également
parfaitement, je pense. Ça, c'est la deuxième plus grosse plateforme de diffusion de vidéos en différé après YouTube. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est Dailymotion. Donc tout d'abord, c'est une plateforme de diffusion vidéo en différé comme YouTube, je le disais. Mais Dailymotion s'est lui aussi lancé dans le streaming, dans la diffusion en direct. Et un chat est également mis à disposition, comme sur toutes les autres plateformes précédentes, pour les viewers, et le diffuseur. Donc simple et efficace, Dailymotion, il va savoir satisfaire les gens, les streamers en herbe, comme les professionnels. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui va être rapide, pas trop de lag de connexion. Normalement, la connexion est bien prise en charge par Dailymotion. Il vous donne un bon flux quand même pour bien stream. Donc, c'est pas celle que je préfère, encore une fois. J'y viendrai après, celle que je préfère. Mais je pense que franchement, c'est pas mal. Après, ce qu'il faut. Après, on va pas parler de rémunération pour les streaming ici. Parce que voilà, faut faire des milliers de vues pour commencer à avoir une rémunération considérable, on va dire. Et puis franchement, si vous vous lancez dans les streams pour les sous, faut tout de suite abandonner, quoi. Faut vous dire ça, vous n'avez pas gagné votre vie en faisant des streamings, tout simplement. Donc ça sert à rien de se lancer dans le stream, tout simplement, pour l'oseille, quoi. Donc je vais vous parler d'une quatrième plateforme. C'est la dernière que je vais vous présenter. Je vais pas toutes vous les présenter, sinon il me faudrait faire une vidéo de 3 quarts d'heure. Donc je vais vous présenter une quatrième plateforme. C'est la plus jeune de toutes celles que je vous ai citées, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et c'est certainement celle que je préfère, malgré que ce soit plus jeune. Donc cette plateforme, j'ai nommé Gamer Connection, les amis. Donc cette plateforme, elle a été créée à la base sur une idée d'un YouTuber que vous connaissez très certainement pour ses excellents tutoriels sur YouTube, d'ailleurs qui intéresse pas mal de monde, hein. Il est pas loin des 50 000 abonnés. Donc sous cette description, vous aurez reconnu Capet le Vrai. Donc c'est une plateforme simple d'utilisation, Gamer Connection. Attention, j'ai bougé un peu le micro, voilà. Donc c'est une plateforme simple d'utilisation, elle est sécurisée, parfaitement sécurisée via les mots de passe, enfin franchement des super serveurs, et elle est contrôlée, cette plateforme, par les administrateurs du site, c'est-à-dire tous ceux qui foutent la merde, hop, ils sont bannis et ils ont plus le droit de revenir sur le site tout simplement. C'est-à-dire donc voilà, pour résumer, c'est une plateforme qui est simple d'utilisation, sécurisée et contrôlée par les administrateurs du site. Désolé. Donc c'est un design plutôt réussi, hein. On va parler tout vite du design de ce site en particulier. Donc c'est un design plutôt réussi aux couleurs bleues, blanches, grises. Donc c'est une plateforme avec le design qui va vous donner envie d'en voir plus, d'aller plus loin sur le site. Et petite particularité, contrairement aux autres plateformes de Gamers Connection, pour le rapport de diffusion contrairement aux autres plateformes, donc Gamer Connection ne possède pas son propre lecteur vidéo de streaming, son propre encodage, enfin son propre encodage. J'utilise mal le terme, mais vous me comprenez, je pense. Gamer Connection n'a pas son propre lecteur de streaming, tout simplement. Donc Gamer Connection est donc passé en partenariat avec Dailymotion afin d'intégrer les lecteurs de Dailymotion sur le site de Gamer Connection afin de permettre aux streamers en herbe donc de diffuser leur contenu en direct le plus finement possible. Quoi qu'il en soit, le lien de ces 4 plateformes de streaming en tout cas seront dans la description, mais vraiment celle que je vous recommande le plus pour vos débuts ou pour les plus assidus pour le streaming, je pense que je peux vous recommander Gamer Connection. Franchement, c'est celle que je préfère, même si je ne l'ai pas encore testée, elle est déjà adoptée pour moi. Donc voilà, je pense que vraiment c'est le mieux pour se lancer dans streaming et comme je le disais encore une fois, pour les professionnels, simple d'utilisation, sécurisé, un beau design, l'efficacité avant tout. Donc voilà, tout est regroupé sur Gamer Connection pour que ça vous plaît. Ça vous plaise, désolé. Donc moi aussi je compte me lancer dans streaming bientôt. Donc grâce à mon nouveau PC gamer comme je vous le disais que j'ai acquéri. Donc je vais commencer quelques live tests sur Twitch. Et dès que je sentirai que je serai prêt, que j'aurai franchement, j'aurai bien pris le truc en main et Kickspeed, je me lancerai sur Gamer Connection pour ouvrir ma propre chaîne de streaming où je serai également actif avec, je pense, 2 à 5 streams par semaine. Ça peut varier, franchement, ça variera. Il y aura des streams 2 par semaine et la semaine d'après, je crois, il y en aura 7, il y en aura 1 par jour, 2 par jour. Ça dépendra vraiment de mon humeur. Donc le lien de ma chaîne Twitch en tout cas est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Vous pouvez aller tout de suite cliquer pour aller voir ma chaîne Twitch. Et peut-être qu'à l'heure où vous regardez ma vidéo, je suis en stream. Donc allez dans la description pour cliquer sur le lien de ma chaîne Twitch. Et quand ma chaîne Gamer Connection, désolé, sera créée, je vous y mettrai également son lien pour que vous puissiez aller checker la chaîne Gamer Connection. Donc dites-moi en commentaire si vous désirez me voir en streaming sur n'importe quelle plateforme et sur quel jeu. Je peux vous faire des streams sur BF, sur FIFA, sur LOL, sur Minecraft, sur Euro Truck Simulator, voilà, pour ceux qui aiment bien les jeux de simulation. Franchement, je peux vous faire des streams sur tout avec mon nouveau PC, donc si ça vous plaît, vous me dites. Franchement, je vous en remercie d'avance si vous pouvez me conseiller, me donner quelques jeux et m'encourager à faire du streaming, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like, un commentaire pour me dire si vous voulez en savoir plus sur le stream.
streaming, comme par exemple la connexion à avoir pour pouvoir fournir du contenu de qualité en HD en streaming sur internet, ou encore la configuration minimale qu'un PC doit requérir pour pouvoir tourner correctement en live, tout simplement faire tourner les jeux convenablement. Donc vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et autour de vous, ça me fera plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car vous êtes plus de 2000 et je vous en remercie. C'est juste énorme, donc on est plus de 2000 abonnés à l'heure où je vous parle. Et écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, en route vers les 3000 abonnés, ça arrivera bien un jour, j'espère. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin également, vous pouvez écrire stream dans les commentaires, ça me fera également encore plaisir, de sorte que vous ayez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Monsieur Juliette Officiel et Elite en tweet sur Twitter. Ouais, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace, prenez soin de vous. Oh!